Youp! Salut bande de noobs! Allez, on se repart pour une petite session de PoE. Ça fait un moment. Salut Jokavex! Putain, t'es chaud Joka, je viens à peine d'arriver là. Le mec, bientôt il arrive avant moi sur le stream. Petite session de PoE. Je suis bien chaud pour clean l'Atlas. Il nous manque pas beaucoup de maps. Il en manque deux niveau 13. Niveau 11. Ah non, niveau 11, on n'a pas tout fait. Niveau 11, il nous en manque une. La Mesa. Niveau 12, il nous en manque pas. Niveau 13, il nous en manque deux, mais on les a. Je les avais préparés. Ghetto malformation. Niveau 14, il nous en manque deux. Je pense qu'on va les looter. On va en looter ce soir. Et niveau 15, on les a toutes. Et niveau 16, c'est les gardiens. Dernière fois, on s'est un peu fait donner par les gardiens. On en a fait deux. Les deux, on s'est fait éclater parce que j'ai voulu les faire avec les mods et... Enfin, avec les alchimies, les vals et... On a morflé, quoi. J'ai pas eu de bol, j'ai eu des... Des mods bien pourris sur ces gars, sur ces maps. Du coup, j'ai pas pu les faire. Je me suis fait donner. Allez, on va se mettre en jambe avec une petite caldeira 13, là. Et puis après on claquera un peu des orbes d'horizon, je crois qu'il m'en reste. Ouais, il m'en reste 10. On claquera des orbes d'horizon après pour choper la 11 qui nous manque. Et puis les 14 qui nous manquent. J'ai des nouveaux gants aussi à tester. J'ai envie de m'amuser un peu, donc j'ai pris ceux-là que j'ai looté la dernière fois. C'est pas les best in slot, hein, c'est des gants pour le fun, Shadows and Dust. L'idée c'est que, bon j'aime bien leur stat déjà sur le Critical Strike, mais c'est surtout parce qu'ils ont un Rampage. Un Rampage en fait c'est un compteur de kill qui fait que plus vous mettez, plus vous montez le compteur, plus vous killez des mobs, plus vous avez des bonus à débloquer. Enfin le truc, vous met des buffs tous les paliers de genre tous les 50 ou tous les 100 kills, un truc comme ça là. Et c'est assez marrant. Là, on voit que cela, de base, donc il file Rampage, hein, le compteur de base. Plus Unholy Might dès qu'on passe un palier, plus un Smoke Cloud dès qu'on passe un palier aussi. Donc on va tester ça. Ils sont moins bien que mes gants d'avant, hein. Clairement, ils manquent de résist, ils manquent de vie. Et vu que je suis déjà en carton, ben, c'est pas génial, mais on s'en fout, on est là pour s'amuser. Hein. C'est la fin de saison et tout. Allez. Est-ce qu'on va claquer ça? Ouais, allez. On se mettre du chisel là-dessus. On va voir si on peut choper des maps un peu sympas. Allez, move speed. Tout ça, c'est good. Tout ça, c'est tranquille. On y va. Les buffs, on les a. Le golem, il est là. Tout est bon. On est parti. Je pense que je peux claquer aussi des chaos, en fait. Hein. Des mods. On va claquer des mods parce que je... Parce que j'en ferai rien de mes cosses. Voilà, donc vous voyez sur la gauche, vous avez tout de suite le compteur de kill. Ça, c'est dû au gant. Donc, but du jeu pour s'amuser, bah, essayer de monter ce compteur le plus haut possible. Il tient quelques temps. Il se reset au bout de 5 secondes, un truc comme ça à peu près. Donc, vous voyez là. Ouais, là, il se reset. Et donc, ces trucs rouges, c'est dès que je passe un palier. Alors, c'est sympa parce que du coup, c'est une mécanique là, le Rampage, qui vous incite à pas faire trop de pause, donc pas à passer votre temps à regarder ce qu'il y a par terre, à looter ou quoi. Là, on a plus tenté d'enchaîner les kills comme un bourrin et d'avancer bien vite. Donc voilà, on va se laisser prendre au jeu, on va s'amuser. Allez, oula, j'ai mis le son des objets un peu fort là. On va baisser un petit peu. Hop, c'est où? Filter, voilà, tac. Hop là. C'est trop marrant, ces gants. J'aime bien. J'aime bien l'idée. C'est dynamique. Six sortes de Rampage. Rampage, c'était une mécanique qui a été introduite lors d'un précédent, une précédente. J'allais dire extension, c'est plus patch. Sur un précédent patch, il y avait cette mécanique de Rampage. Allez, ça passe. Et c'est une mécanique qui a disparu, hein, avec
avec son extension. Je sais plus où je dois aller, c'est le boss là, non? Ouais, donc Caldera, c'est vrai que c'est la map qui vous renvoie un peu. Il y a un portail qui vous amène à la fin, mais si vous prenez pas le bon, ça vous ramène au début. Alors du coup, forcément, ça marche mieux sur les maps qui sont un peu, qui sont bien remplies. Hein. Là, si on fait une map où il n'y a pas trop de mobs, bah, le compteur de rampage, bof quoi. Alors ça a plein d'effets. Vous pouvez aller voir sur internet. La liste des effets que procure le rampage. Il y a un truc au bout de 10 kills, un truc au bout de 50, un truc au bout de 100, un truc au bout de 200, de 500 même. Je crois que le compteur il peut monter jusqu'à genre 1000 ou un peu moins, un truc comme ça quoi. Et à chaque fois, plus vous montez, bien sûr, plus vous avez des bonus sympas qui se déclenchent. Vous voyez, vous avez Storad, ces espèces de trucs rouges qui partent de moi là. Vous avez les. Ça fait des Animate Weapons aussi. Allez. Hello! Salut Raitus Nojutsu! Ben, viens sur le stream, dude! Attends, c'est où? Whisper, c'est plus ce que c'est. J'oublie le raccourci à chaque fois. Ramène ta fraise! Non, c'est pas vrai que je veux. On la clean là, ça y est? Ouais, on a clean. On a clean. Amir! Diz, il est chaud, il m'a dépassé hein, sur l'Atlas là. Là, ces derniers mois, il a joué comme un bois. La dernière semaine, même pas moi quoi. Je crois qu'il a. Il a 141 ou 53 maps, il en a une de plus que moi. Il s'amuse bien aussi. Avec son build Right to Fire. Alors qu'est-ce qu'on a looté comme map? T11, T12. T9. C'est tout pourri. Allez, j'ai pas envie d'attendre. J'ai envie de me faire tout de suite là les meubles. Ghetto malformation, je les connais pas là. Je viens de drop il y a 10 minutes, c'est quoi ça? Acton's Nightmare. Nightmare Overground Shine. Ah d'accord, je sais pas si je l'ai faite celle-là ou pas. Acton's. Est-ce que je l'ai faite? Non, je l'ai pas. Ah bah c'est sympa. On peut la débloquer à deux. Bah écoute, si tu veux la faire, viens. Hein. Ramène-toi. Hein. Attends, tac, tac, tac. C'est où mon social screen? Oh, en force de naviguer entre les jeux, je sais plus. C'est là. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus c'est quoi les raccourcis à chaque fois. Allez. What are we? Bah, je te laisse clean ta map et. Je te laisse finir ta map tranquillou. Tiens, en attendant, je vais faire ma zana. Je vais faire ma petite zana rapido. Pourquoi tu veux trade? Ah, tu veux que je la mette chez moi? Si tu veux. Si tu veux. Attends, on se la met comme ça ou. Je sais pas, y a pas des chiselles à cramer, un truc comme ça, non? Non, on s'en fout, on la fait comme ça. Allez. Let's go! Je sais pas ce qu'il faut faire, hein. Mais bon, là maintenant, c'est toi. Pas besoin de corrupt. Bah non, c'est sûr. C'est toi qui mène l'action, là. Allez, hein, moi j'avance. Hein. Bon, toi aussi maintenant, j'ai cru comprendre que t'avais. Tu t'étais pris un petit skill move et que t'es arrivé enfin à avancer un peu plus vite. C'est ton problème, je crois que c'est ça, non? Tu ramais vachement. Faut que tu penses à looter par contre, parce qu'il n'y a plus de.
pour ceux qui connaissent pas le build de Righteous Fire, vous allez voir ce que ça donne. Je capture lui là. Voilà. Allez, limite. Voilà. Ouh, il est triple légendaire, il est tombé. Voilà, Righteous Fire. C'est ça l'idée. Hein. Je vais pas taper, je vais vous laisser voir un peu ce que ça donne. En gros, il a une aura autour de lui qui lui fait beaucoup de dégâts à lui et beaucoup de dégâts aux mobs qui sont autour. Donc en gros, il se met au milieu et ça tue des gens. On est sur un skill de qualité supérieure, hein, bien sûr. C'est le build par excellence où vous vous foutez rien. Non, en fait, le plus dur dans le build de Righteous Fire, c'est de monter le staff. Hein, clairement, ça demande un staff assez important. Autant vous prenez un build comme Frostblade, vous pouvez le monter en SSL avec plus ou moins n'importe quoi, ça passe. Autant Righteous Fire, ça marche pas comme ça, quoi. C'est ultra ultra exigeant en termes de staff. Faut être vraiment équipé pour faire du dégât, parce que c'est un build qui vous tape, hein. Quand vous êtes pas très bien équipé, comme le Righteous Fire, c'est un skill qui vous fait des dégâts à vous d'abord. Bah, si vous êtes pas bien équipé, vous faites des pop, quoi. Oh, les sextantes. La cosse. On loot. Faut me dire sur le stream si la musique est pas trop forte. Je me sens qu'elle est un peu forte là, je me sens qu'elle est montée. Attends, je vais baisser ça là, ça me casse les oreilles là. C'est où? Voilà. C'est en train de me péter les oreilles là. Non, on arrête de me tuer les gens. Non mais, aucun respect. Bon, sérieux, c'était juste ça? Comment je t'ai ninja tous les loots? Et tous. Faut que je te rende ça. Non, ça va. Ok, merci Joker pour le retour au son. Merci la régie. Eh ben, c'était pas vrai, hein. Je sais pas, j'identifie comme un bourrin, mais en fait, je devrais peut-être pas. Je suis riche. Attends, mais faut que je te file tes trucs là. Righteous Trad. Viens là. Parce que j'ai looté, mais parce que c'est plus pratique, mais. Mais je tente. J'ai pas la place. Sinon, je jette, hein. J'ai déjà tout ça en faute rush. Ouais, bon, quelle okay, celle. Ouais, mais moi aussi. Allez, bazarder. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse une Zana? Viens, on fait une Zana. Allez, où? Daily Mission. C'était de la map de qualité. Bah écoute, je sais pas si c'est parce que j'étais avec Righteous, enfin avec Diziz, mais. J'ai pas trop compris le principe de la map, quoi. C'est genre, tu prends une map niveau 10, elle est plus grande que ça, quoi. Bon, après, on a looté, hein. Je sais pas si tu veux me suivre dans le portail. Je crois qu'on peut, non? Tu peux la faire, la Zana? Ouais, c'est bon. C'est The Corrupted Monsters. Allez, hop. Je dis rampage, moi. Je suis chaud, là. Ah, ça fait le ménage, hein, un Righteous Fire plus un Frostblade Raider. On est tranquille, hein. Talk to the Master. Ouais, on va se la clean quand même, histoire de voir. Je suis lent. Non, ça va, tu déplaces vite, hein. Allez, on se fait vite le boss là, je peux rouler. kg, je consors du skill de à ouf là. 457.
On monte en skill, on monte en kill. 486, vite. Oh, faut pas le perdre là, c'est marrant. 486, je sais pas ce que c'est le prochain palier, mais. On a complété la 4, ouais, mais je vais me faire la. Ah, attends, venez là, il faut vous enrager, vous. Voilà, faut péter un 9 près de vous, ça vous enrage, vous avez les boules. On vous défonce. Allez. Petite belle fry. Allez, ça c'est fait. Hop là. Alors. Bah, du coup, Dizzy, si ça te dit de. Ah, d'accord, il s'est barré. Si ça te dit de faire les maps qui me manquent avec moi, je vais me faire des T14, un truc comme ça. Ah non, tu changes de. Ok. Tu changes de perso. Ton Blade Flurry. Bah, au moins, on va voir un peu ce que ça donne. Parce que je connais pas le. Je connais pas trop les skills de la Blade Flurry. Voir à quoi ça ressemble. C'est des trucs, je les loot, je sais même plus pourquoi je les loot au final. C'est. Joseph un peu. Hein. Donc, on a dit. Tiens, on a 3 nécropolis. Ouais, on s'en fout. Donc, on a dit on allait faire de la ghetto. Non, de la malformation. C'est pareil, on s'en fout. C'est les bulles qui avaient tenté Nacedo au début quand on a repris. Dans... Ouais, Blade Flurry, ça me dit quelque chose. Mais bon, je crois que Nacedo, il est pas allé très loin avec le build. Oui, donc vous avez vu, je me suis aussi chopé la Adziri. Hein. Moi, j'ai été refaire Adziri en off-stream. Elle m'avait filé. Alors, c'est parti. On se chisselle ça. C'est super squishy, pas facile, ouais. Ok, on va voir ça. Hein. Enfibel, Canvistan. Ça a l'air bon ça, non? C'est bon. Je vois rien de méchant. À part qu'ils ont beaucoup de résist. Ok, ça a tout changé. Non, ça a changé ou quoi? Non, ça a juste rajouté des modes. Non, ça va. À part que les. Ouais, à part qu'on a double curse dans la tête. Mais ça devrait aller. Allez. Malformation. Je connais pas. C'est parti. Et puisqu'on est des fous, on va même se faire un. Je sais pas, un quoi? Un Beyond? On se fait un Beyond, allez. On va claquer un peu de la currency. Boom! Elle a masse mode, hein, celle-là. Faut leur serrer les fesses. Elle était niveau 82 en plus. Bon, je voudrais vraiment la finir par contre. Oh, j'ai des charges de partout par contre. C'est cool, je suis full charge. Alors on va surveiller la vie quand même. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses là. Niveau dégâts, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de merdier. Oh, j'y vois tellement rien. Oh là là, je fais tout péter là avec mes gants. Avec mon rampage. J'ai l'impression qu'il se passe un palier vers 400 et quelques là qui fait que. Qui fait que ça pète bien. Ah, Florio Sam il s'est fait défonce. Il y a un truc qui est pas passé là. Bah, V, t'es pas très loin. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond dans la map, non? Non, je perds la rampage. Non. Oh la vache. Ça pète dans tous les sens, c'est trop marrant. Bon, où c'était la suite?
doit être vers là-haut. Il y avait un truc là. C'est marrant dans le Rampage, regarde, il y a des trucs de partout là. Moi j'aime bien. Je trouve ça stylé. Tu prends cher, fais gaffe. Ça, c'est la première fois que tu dis de faire gaffe, Joker. Généralement, t'es toujours en mode. T'attends que je crève. Du coup, je me sens soutenu là. Dans ma conquête de l'Atlas. Ça me fait penser à. Cet endroit, il me fait penser à. Aux tavernes de la Liche, là, au truc des abysses là. Vous savez, quand vous avez une espèce d'échelle en bois qui vous amène. Après une faille abyssale là. Qui vous amène par terre. En dessous. Attends, je sais plus ce que je dis. J'essaie de me concentrer pour pas crever. La suite, c'est où du coup? On va être là-haut, non? Faites gaffe à la vie, les buffs. Ok, alors là, il est où le méchant? Flurious. Qu'est-ce qu'il y a, Flurious? Freismar. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà! J'ai pris des tartes. Oh, ça tabasse, hein. Je sais pas si c'est le. Les mods, ils font que les mobs sont assez résistants. Hein. Ils ont masse. Masse résistance. C'est pour ça qu'on galère un peu à les tuer. Puis aussi le fait qu'on est deux. Donc ils ont plus de vie. C'est encore une map où on n'y voit rien, ça. Hein. On tape au pif, on verra rien. Enlighten support. Ouh, joli, hein. Ça fait plaisir, le petit Enlighten. C'est la map que vous êtes toujours. La gemme que vous êtes toujours content de looter, ça. Oh, je vais crever là. Allez, hein. Wow. Il se passe quoi là? Ah ouais! Sans déconner. Ça fait penser à l'anus de la bête. D'accord. Bon, je re-RF, je te PL. Pourquoi tu veux me PL? Je m'en sors bien, moi. Tu veux PL quoi, toi? T'es fou ou quoi? Tu PL que dalle? Sacré disease. Non, non, là, visiblement, il y a un mec qui est au milieu et qui... Je sais plus où c'est la suite. Il y a un mec qui est au milieu et qui envoie son rayon de feu, mais si on se fait one-shot, c'est déjà parce que... Bon, je suis avec Glass Cannon, certes, mais c'est surtout qu'on est double... On a double curse, là. On a double curse et... Je connais pas le boss, donc je suis resté au milieu, mais il suffit de tourner autour de son rayon et d'esquiver un peu, quoi. Y a pas de souci. Le secret du build de Frostblade, c'est surtout de pas avoir peur. Hein. La meilleure défense de ce build, c'est vraiment l'attaque. Il faut freeze à max les mobs. Je vais mettre un portail ici quand même. Voilà, plus tranquille. Je veux quoi? Je veux ça. Bon, je suis rentré. Ouais, par contre, si j'arrive pas à... Je me suis un peu emballé. Hein. Ah, par contre, c'est le dernier portail du coup. Bah, vas-y, hein. Vas-y, Diziz. Hein. Qu'est-ce que c'est ce problème? Je le ponce un peu. Oh, ponce ce que tu veux. Une crise de main. Alors, ça fait quoi? Oh, il est en train de se faire des pop, le Diziz là. Oh, il est en train de morfler, hein, regardez-moi ça. Attendez. Allez, je remets mes buffs et on y va. Tac, 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 tac. Voilà. On va attendre la fin du rayon quand même.
Bah, easy. Je reconnais que là, pour le coup. Pour le coup, je t'ai laissé faire la fin. Mais c'est juste parce que. C'est juste parce que, comme on est à deux, on crame le portail deux fois plus vite. Et comme du coup, il en restait qu'un. Boba Fett est parmi nous. Bah ouais, non, mais là, j'ai sécurisé. Hein. La dernière fois, on s'est pris quand même branlé sur branlé face à des boss ultra, ultra modés et tout. Là, le fait qu'on soit deux avec Dizzy, ça m'augmente la difficulté pour moi. Et du coup, ouais, je sécurise. Je pense que je peux me le faire assez seul, seul assez tranquillou, hein, faut pas croire. Mais là, on était deux. Je suis en mode pas de stress. Dans Scorn. Curse, increase curse direction et mental. D'accord, je sais pas, c'est bien ces trucs-là? Je sais pas ce que ça vaut ces trucs-là. Là. On va mettre ça dans un coin. Non, pas ça. Des fois qu'on en fasse un truc d'ici la fin de la saison. Tout ça, on va identifier. On s'en fout. On s'en fout. Ça vaut un alchi. D'accord. Je sais pas de quoi tu parles, mais d'accord. Ouais, pas trop mal, celui-là. Bah, bon. On a eu quoi? Ah, on a eu de la digue 14. Hein. 14 jaunes, c'est cool. Le casque, ok. Tu le veux, Diziz? Non, tu t'en fous, toi. T'es blindé. Alors, on a chopé un frag, on a chopé une map, on a chopé des orbes. Ça loot un peu, hein. Et c'est où? Ça va là. Ok, allez, on se fait maintenant l'autre map qui était la dernière qu'on n'a pas. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Bah, c'est celle-là. La ghetto. Alors, faut que je la secours du coup. Ou alors je la divine. Ouais, je peux la divine. Hein. Bon, c'est pareil. Allez, tac. Ouah. Les stats sont tellement pourris. Bon, allez, je secours. Les stats sont trop dégueulasses. 80, bon, c'est déjà mieux. On a un feeble. C'est bon. Allez, hop. On se vale. Et on sait pas ce que ça fait. Mais on s'en fout parce que ça fait du. Quand vous faites une map qui est pas identifiée, ça fait des mods en plus. Hein. Et on va se cramer, on a dit. Hein. Quoi, un Beyond? Beyond, c'est bien. Beyond, ça me va. Allez, hop. On y va. Ah oh, le vaisselle. Ouais, j'ai pas envie de looter les trucs. C'est bien le rampage, ça me donne vraiment pas envie de récupérer les petites orbes à la con, là, les transmutes et tout. Que j'aurais looté en temps normal. Ah, il tombe un truc là. Non? Ouais, j'ai pas eu. Une labo. Ça, c'est ghetto là, je l'avais pas fait. Oula, ma vie, elle a fait un bond là. Allez, on se rase tout ça. Ouh, y'a un mec pas content là. C'est le boss, hein. Voilà. C'est nous les plus forts. C'est nous qu'on tape bien clic droit dans ta face. Ils sont très très chouettes ces gants. Je vous les recommande hein, si vous avez l'occasion de les essayer. C'est vraiment marrant, c'est vraiment sympa. Le coup du rampage, ça fait un petit challenge là, c'est un petit compteur là qu'on n'a pas envie de laisser tomber. Supérieur titan. Bon, on clean vite fait, mais il n'y a plus rien, je crois, hein, c'est ça. Après, là, on le voit bien, hein, Righteous Fire, c'est pas un build qui clean bien les packs, les maps. Hein.
Frostblade, ça nettoie très très bien parce que ça cible automatiquement les mobs et le skill chain. Donc il va vraiment chercher tous les mobs pour bien tout raser. Ça nettoie en profondeur, hein. Ça nettoie le nœud qui est la tache qui est dans le nœud. Alors que Right to Fire, c'est plus un build qui clean bien les boss, qui est extrêmement tanky avec une régène de gorée quoi. Bon allez, c'est clean. Tac. Les gants augmentent si c'est un autre qui tue. Ah ouais? C'est-à-dire que si quand c'est Dizzy qui tue des gens, ça m'augmente mon compteur de rampage. C'est cool. Verusso. Attack speed, ça me plaît ça. Move speed, c'est sympa. Mais damage par une durée en charge que je n'ai pas. Ouais, c'est pas pour moi quoi. C'est pas pour moi. Petit vaisselle. J'ai looté ça. Marrant ça. Stack of Unknown, Divination Guard. C'est la première fois que je loot ça. Right click to take a Divination Guard off of the deck. C'est trop fort. Et quand je clique droit, ça me donne un truc. Ah, d'accord. Ouais, c'est chelou votre truc quand même. J'ai pas tout compris, mais d'accord. C'est où card? T'as une divination aléatoire. Ouais, je vois ça. Mais comme il y avait marqué, t'as un stack. Je pensais avoir un stack aléatoire. Pas juste une pauvre carte. En plus, il m'a filé un gambler. Donc, c'est un truc aléatoire qui m'a filé un truc aléatoire pour avoir une carte aléatoire. Ça commence à faire beaucoup quand même. Un peu le sentiment qu'on prend pour un con quand même. On va se réarmer en parchemin parce que j'ai plus grand-chose. Ok. Donc là, au niveau de l'Atlas, on est à 143. Et on a clean, genre de phrase choc. Genre, on a clean masse truc. Allez, on va voir ce qui manque et on va essayer de se faire. Il me manque une Mesa Map, c'est une 11. 12 on a tout fait, 13 on a tout fait, 14 il en manque. On va prendre la digue. Tac. Est-ce que je peux l'horizon direct ou est-ce qu'il faut que je l'identifie? Ouais, il faut l'identifier. C'est là. Tac. Allez, donc ça j'ai dit c'était une 14. En 14, il faut Dark Forest ou Colosseum. Dark Forest, on est bon. Et la map, elle est. Bah, c'est facile à faire. Hein. 25% de dégâts en plus sur le boss, on fera quand même attention. Hein. Mais en gros, on est bon. Elle est jaune, c'est bon, il n'y a plus qu'à l'aval. On a vulnéré. Oh la vache! Cette map, ça doit être la pire de tous les temps, je pense. Il y a tout ce qu'on peut détester dessus. Vulnérabilité, on s'en fout. Temporal Chains, pour moi, c'est rédhibitoire, je peux pas. Moins 10% de maximum player résistance, ça flingue le Right to Fire. Mon sort réflecte 18% de physique et d'élémental damage. Tu veux le voir? Enjoy! C'est infaisable. C'est infaisable. Je pense pas que Dizzy, tu puisses la faire, toi. Ne serait-ce qu'à cause des. Tu vas te payer le maximum player résistance en moins. Pour toi, c'est assez violent. Le physical damage, je pense que c'est pas violent pour toi. Quoique, peut-être toi, tu peux. Peut-être toi, tu peux. Bon, je peux pas la faire, hein. Clairement, c'est. La vache. La map qui m'a chié sur la gueule. Salut Dante! Fait plaisir de te revoir un peu. Bon, celle-là, je peux pas. Moi, je la ferai pas. Tu veux la tester, Diziz? Tu la veux? Tiens. Je joue Bisco Gumball. Puis tout à l'heure. Bah écoute, si tu veux te la faire, hein, ça me fait plaisir. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. On va en chercher une autre. On va en chercher une autre. On va en chercher une autre. Genre. Voilà. Genre, on va prendre une que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Non, là ça va. On va prendre la Waterways par exemple. Et on va essayer de rechoper une Mesa. C'est pas garanti, mais. Factory, Colonnade, Spider Forest, Factory, Promenade, Coves, Primordial Pool. Eh ben non.
Eh ben pas du tout. J'ai pas eu ce que je voulais. Donc c'est un peu la merde. On va essayer de les loot, hein. Il va falloir loot des maps. On va faire des maps et on va essayer de looter des trucs. Il te manque que Messa. Ouais, mais je la looterai. Ouais, tous. La dernière fois, tu as pas stream le mardi. C'est vrai. Pourquoi je n'ai pas stream? Oui, on a fait une semaine off, Dante. On a fait carrément une semaine off. C'était la semaine des ponts, il y avait personne. On a lancé quelques streams en début avec Joka et tout. C'était genre le désert. Du coup, on a fait off. Allez, on part pour une basilica. On l'a fait quoi? On l'a fait en. Ouais, c'est une T15 quand même. Bon, 52, c'est pourri, mais bon, c'est pas grave. Allez, go. On reclaque du billon. Je m'en fous, je crame les chaos là. Let's go. J'étais full triste. Bah écoute, non pas que je ris de ton malheur, mais je suis content que du coup on t'ait manqué le jour où on n'a pas stream. C'est-à-dire qu'il y a quand même du monde qui regarde un peu. Ça fait plaisir. On se sent pas trop seul. Mais non, c'était absolument exceptionnel, hein. Nanté. On est là, on stream tous les jours. Non, pas tous les jours, mais. Oula, je me suis morflé. J'ai morflé là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça, c'est le mode Beyond. Faut faire gaffe parce que ça vous fait pop des mobs un peu à la gueule, un peu en mode surprise, motherfucker. Évidemment, vous tuez un petit cafard et derrière, il vous pop un gros boss dégueulasse. Voilà, du coup Jokavex il boude. Tu nous as rendu Jokavex tout triste. Joka qui nous fait des bons streams de Dauntless en ce moment. Qui est un Monster Hunter-like, hein, c'est ça l'idée? Et j'avoue que le jeu me tente bien. Donc je pense que je vais le rejoindre. Sur Dauntless. En plus, il y a l'air d'avoir du challenge parce que c'est un jeu où on a besoin d'être à 3 ou 4 pour tabasser les gros monstres, visiblement. Et donc, il y aurait moyen d'avoir une synergie intéressante. Tiens, je la connais pas cette ceinture, je suis pas sûr de l'avoir vu. Plus, ça fait 276 évasions, c'est cool ça. Bon, on veut looter des maps, hein, là. J'ai cramé 10 orbes au horizon pour me faire vomir dessus par le jeu là, qui a décidé de me filer la map la plus insane qu'on puisse imaginer, le plus infaisable pour mon build. Donc il est où le méchant? Salut toi! Je me souviens plus trop du boss, hein. Je sais pas ce qu'il est censé faire. J'ai l'impression que les mobs ont de la vie quand même. Ok, donc là, il se transforme en innocence, c'est ça? Voilà, lui fait des trucs méchants, voilà, il faut éviter un peu ces. Voilà, faut éviter un peu son rayon. Mais globalement, à part le rayon, et je crois qu'il fait un jet de boulette aussi à un moment. Qui fait un peu mal. Il envoie des boulettes dans une direction, faut un peu les esquiver quoi. Je sais pas si on aura le temps de les voir. Bon, c'est un boss à phase, hein. Il a sa phase mortelle, il a sa phase dieu. Et à chaque fois, il s'amuse à. Être invulnérable pendant ce temps-là. Mais tu périras. Et tu comprendras pourquoi mon nom est l'immortel, quand sur toi s'abattra la puissance du Tout-Puissant. Tout ça, tout ça.
Pour le map real fake, tu pourrais pas prendre ça. Je l'ai testé. Je l'ai testé déjà, Disease. Le Sable's Lament. Je l'avais gardé exprès en me disant, bah tiens, si un jour j'ai une map reflect, je sortirai ça. Un jour j'ai eu une map reflect, je l'ai mis et je me suis fait une sorte d'époque sur le premier mob que j'ai tapé. Ça n'a servi absolument à rien. Donc voilà. Testé et pas approuvé. Alors, persévérance, armor évasion, increase max life 5%. Wow. 21% cold resist, 1% increase attack damage. Perd 300. The lowest of armor and evasion resting. Donc moi le lowest c'est armor et donc j'ai plus 1% par 300. C'est-à-dire que si j'ai 1000 d'armor, ça me fait 3%. Ah ouais, j'ai combien ? Dans mode du rêve. Fais-moi rêver en couleur. Armor 122, c'est super. C'est génial, voilà. Donc j'ai 0,3% d'attaque speed grâce à ça. D'attaque damage, pardon. 5% chance to gain fortify when you stand. You must have unslot when you have fortify. Voilà, bon. Bon, c'est mignon, mais pas pour mon build. Voilà. C'est bien, mais pas top. Les mauvais souvenirs avec cet anneau. Ouais. Dauntless, c'est un peu comme Monster Hunter. Tu pars chasser un monstre en groupe de 4, faut apprendre un peu son pattern et esquiver ses coups. Ouais. Ouais, c'est vrai, quand on te regardait, Joka, jouer à Dauntless, on a l'impression que tu fais des world boss de World of Warcraft, quoi. Alors tu croises des gros boss dans des maps et ils ont des patterns de boss de raid, quoi. Mais ça a l'air vraiment intéressant. Donc je pense que on va s'en faire et puis voilà, peut-être pour que ce soit super sympa. Val Buckler. Sazentis Timu. Reflect 1 to 1000 physical damage. D'accord, ouais, c'est. Il y a des trucs marrants. T'as dû me voir mourir pas mal. On t'a vu crever en stream. Ça, c'est quoi ça? Bitter Dream. Hypothermia Ice Bite, Cold Penetration, Mana Leash, Added Cold Damage, Reduce Mana. Ouais. C'est bizarre, non, ton truc. Ok. Bon, allez. Au fond d'un onglet. Merci, c'est sympa. Tac, tac, tac. Bon, toi, tu vas là. Allez, on se fait la riff. Et on va se là, l'alchimie. 85, 25. Pain Bastel, boss qui fait des dégâts. Bon, allez, c'est bon. C'est good. On se refait un Beyond. En vrai. Tu as tué les boss d'Elder. Ouais, j'ai déjà fait. D'ailleurs, tu as la VOD. Tu as la VOD dispo. Où j'ai tué les 4 gardiens de l'Elder et l'Elder. Et je les ai plutôt des pop. Hein. Franchement, je m'en suis bien tiré. Hein. Je les ai bien fessés. Si tu veux la VOD, tu vas sur notre chaîne YouTube. Tu les as. Et je crois que tu as même les temps forts directement où tu as carrément les combats contre les boss qui sont disponibles en mode temps fort sur la chaîne là. Sur la chaîne Twitch. Vous avez vu comment on pense à vous, n'empêche. Qui c'est lui? Bamet Shifting Shadness. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous êtes qui, monsieur? Pourquoi vous êtes là? Les gardiens, ça c'est plus de l'Elder, hein, ça, pas du Shaper, hein, bien sûr. Le Shaper, ça s'est moins bien passé pour l'instant. Je suis pas arrivé en dépop parce que je tente des modes un peu trop ballsy. Mais ouais, ça s'est bien passé. Je m'en suis très bien tiré, je les ai bien gérés. Ils m'ont pas looté grand chose en plus, je crois. Mais c'était cool. C'est quoi ça? Ah, Faster Attack niveau 1. Je prends. Ah, j'oublie le compteur de rampage à chaque fois, là faut vraiment que je garde le rythme. Mais du coup, dès qu'il y a une bête à capturer ou quoi, ça me foire le compteur là. Il y a plein de. C'est quoi, c'est des exilés ça que je me paye depuis tout à l'heure? Arena, c'est qui? Ah ouais, d'accord, c'était toi.
Oh merde. Le monsieur, il m'a éternué là. Hey, Campos Jojo. Merci. Campos Jojo, t'as sub. Il a sub. Il pèse dans le game, Campos. Eh ouais. Il a sub sur YouTube, ça y est, il est là. Donc tout ça, je fais quoi? Je jette, on a dit. Ah, je me suis fait éternuer par le boss, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'ai dû me le regarder de travers. Non, je crois que surtout qu'il m'a mis un coup, et je l'ai vu venir, et que j'ai pas bougé comme d'hab, parce que je suis une feignasse de l'extrême. Allez. On y retourne. Attends, on va cligner un peu, tant qu'à faire. On va se refaire quelques mobs. Qu'est-ce que... Je loot des trucs un peu, je regarde pas trop. Bon voilà, ça loot un peu des maps là déjà. Bon, on disait le boss. Il va pas quoi là, si. Donc déjà, on sait jamais, un petit portail. Alors ça c'est très pratique les boss où il y a des petits mobs comme ça autour parce que ça me permet de remonter direct les charges. Donc là, but du jeu, ne pas se faire tuer par la foudre. Ce truc qui m'emmerde dans ces moments-là, c'est que je perds mes charges. Mais je le sais, quand il charge, je sais qu'il va mettre un coup. Tu comptes faire la nouvelle saison en Frostblade SSF? Je sais pas, je sais même pas si je la fais la nouvelle saison. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément grand monde. Si je la fais sans SSF, c'est sûr. En Frostblade, ouais, sûrement Frostblade. Sûrement Frostblade. Je sais pas, t'as des conseils, Dante, par rapport à ça? Il y a un build que tu recommandes? J'ai pas trop regardé la nouvelle saison. J'ai vu qu'il y avait une espèce de pyramide, ça avait l'air sympa. Ça a l'air plutôt sympa, mais ouais, je me suis pas plus renseigné que ça. J'étais même dans l'idée de repartir faire un peu de Diablo 3, et je pense que je vais faire un peu de Diablo 3. Maintenant, est-ce que je vais le faire à la place de PoE? Est-ce que je vais le faire en plus? Je peux faire les deux, hein. Je peux faire les deux. Non, ce que je veux faire, je sais pas. Ça va surtout dépendre de vous, en fait. Si vous êtes chaud, si vous avez envie. Voilà, faut que j'arrête de me prendre ces coups gratuitement, là. Je le vois charger en plus, donc ça sert à rien que... Si je suis mort la dernière fois, là, c'est vraiment juste parce que... Je vois qu'il va donner un coup, mais... On a de très mauvaises habitudes quand on joue un personnage évasion, c'est qu'on se dit toujours, on est tellement habitué à ce qu'on esquive les coups que on en vient à plus faire chier à les esquiver en se disant mais c'est bon, j'ai de l'esquive, ça va passer. Et donc non, ça passe pas. Vous mangez une grosse beigne et puis voilà quoi. Allez crève. Du double stream hack and slash. PoE et D3 en même temps. Ça serait un challenge marrant. Hein. Faire du PoE et du D3 en même temps. Ça serait trop marrant. En mode. T'as le cerveau complètement à l'envers parce que tu sais plus du tout c'est quoi les contrôles. Bon, en même temps, faut avouer que. Là, vous voyez, quand je joue à PoE, j'ai les doigts qui sont exactement dans la même config que quand je joue à D3. C'est le même jeu. Hein. Enfin. Même concept. Tu vas jouer quoi toi Dante? Tu l'as fait la saison? La nouvelle saison? Et si tu l'as fait, tu comptes jouer quoi? T'as idée? Idem pour Disease ou quoi? Dites-moi, hein, n'hésite pas à me balancer un peu vos projets. Vos projets de gaming. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Niveau des maps, on a toujours pas looté un peu des trucs à... Tiens, j'aimerais bien voir du côté de... du Bessières. Le Shaper plus la fin de Détroit en même temps. Alors à la fin de Détroit, tu vas être déçu, hein. Les boss de Détroit... Y a plus de boss à Détroit. Je vais tester la nouvelle saison PoE et je verrai après. D'accord. Bon, on n'a pas de... On n'a pas de... D'Orb of Horizon. Ça sexe. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Rien. Ouais, rien. Eh ben, c'est... C'est la crise, hein, dans le bestiaire. Y a rien. En vrai, j'ai déjà acheté Détroit, mais j'ai jamais réellement exploré le jeu. Ça vaut le coup, hein. Surtout si tu l'as déjà acheté. C'est gratuit. Non, non, faut que tu le fasses. Au moins une fois, tu montes un petit perso. L'avantage de Détroit, c'est que si tu as 2 heures à y consacrer, en 2 heures, tu es déjà dans le endgame. Voilà, c'est. Le endgame de Diablo 3, c'est 2 heures à peu près. Si, imagine que c'est comme PoE. Sauf que tu arrives au niveau. Alors, non, enfin, juste comme PoE. Imagine PoE où le niveau max c'est niveau 70. Ou même pas, on va dire niveau 50 sur PoE. Donc, pour te dire à quel point tu peux y être vite. Niveau max c'est niveau 50. Et à partir du niveau 50, tu fais que faire des maps en boucle. En essayant de faire des maps de plus en plus compliquées. C'est que ça en boucle, hein, Détroit. Mais le jeu est extrêmement bien fini. On est sur une finition de type Blizzard. Et c'est du bon. Dark Forest! J'ai pas vu qu'on allait looter ça. Enfin si, j'ai vu, mais j'avais pas vu que c'était une des maps que je devais faire. Bah c'est cool, allez, c'est parti. Un petit coup de chisel. Un petit coup de alchemy. Alors, des secrets d'attaque speed, cannot regenerate life. Ok, donc ça typiquement je vais pas pouvoir la faire avec Disease à cause du player's cannot regenerate life. On l'avale. Ça a tout changé. Alors, on a Enfeeble, on a Elemental Weakness. Bon, en gros, on est très fragile au feu face à des mobs qui vont faire beaucoup de dégâts de feu. Sur le papier, ça a l'air de craindre, mais le tips. Je suis allé jusqu'à la difficulté 12 en map. Sur quoi? Si tu parles sur PoE ou sur Diablo? Sur Diablo? Ah oui, sur Diablo à l'époque, oui, je vois le Rift niveau 12. Et ben, je te rassure, il n'y a aucune différence entre une Rift niveau 12 et une Rift niveau 140. La seule chose qui change, c'est les chiffres. J'aime pas cette map. Ah, pourquoi? Elle est pas bien? Je connais pas, hein, Dark Forest. Je connais pas du tout, je la découvre. Attention, découverte en live. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, Dark Forest? C'est de type. Attends, j'ai juste dégroupé Disease. J'aime tellement pas avoir double cure sur la tête. Donc voilà, but du jeu, ne pas se faire toucher, donc je vais compter sur sur mon évasion et sur le fait que je permafreeze les mobs. Et je vais croiser les doigts et serrer les fesses comme d'hab. La vache, ils tombent pas vite les mobs, hein. Ouais, je dis ça, mais non, ça va. Je sais pas si le fait d'être groupé avec Disease, même s'il n'est pas dans la map, ça augmentait pas les points de vie et la difficulté des mobs. J'ai l'impression que les premiers mobs que j'ai tapés là dans la map, ils étaient un peu chauds et dès que j'ai dégroupé, ça allait mieux. Allez, Electrical Skateboard, on se fait host. Est-ce qu'on arrive à maintenir le Rampage un max? Allez, on va rigoler, on va essayer. Mais pour ça, il faut pas que je loot trop. Non, j'ai dit faut pas que je loot. Je veux pas looter, je veux du rampage. T'as le mec, il avait une garde-robe entière sur lui, quoi. Allez, 318. On a la flemme, on a la flemme, on loot pas les trucs. On essaie de monter le rampage et de le tenir. Allez. Ouais, c'est ça, au niveau 400, on débloque le. Oh, la malformation, impeccable. On va pouvoir la refaire du coup. Vu qu'on n'a pas pu tout à l'heure, à cause des sales mods qu'on s'est payés. Toi, on te veut, viens là. 492, vite, je vais faire les 500, je vais faire les 500, je vais faire les 500.
Non, j'ai pas fait les 500, il n'y avait pas de mob. Ah, saleté. Bah écoute, moi je l'aime bien Spider Forest, non? Qu'est-ce que t'en dis, Dante? Ouais, c'est sur la même carte, c'est ça, hein, Dante. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que... Quand j'ai dégroupé, les mobs sont devenus plus faciles. Mais ça devait être l'effet placebo. L'effet boiron, comme on dit. Allez, fais péter. À boule. Donc si tu aimes pas la map, Dante, c'est peut-être à cause du boss, non? Parce que fondamentalement, on peut pas dire que la map soit dure. Allez, tessons le boss. Genre, on va se mettre une petite... Il est où le boss? Je vois pas. Ah oui, il est là. Non, je sais pas, il est où? Ok, il y a un rond vert. C'est quoi ça? Il se passe quoi là? Y a quelqu'un? On va fermer, monsieur, faut pas rester dans le magasin. Il est où le boss? Est-ce quand tu veux, hein? Ah, il y a quelqu'un là. Wow! Il se passe quoi là? Ok? Au secours, j'ai plus de vie. Il se passe quoi? J'ai plus de vie et le boss il prend pas de dégâts. Au secours. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire de quel fuck exactement il s'agit? Ah ouais, il prend des dégâts, mais c'est il en prend pas beaucoup, hein. C'est genre il est timide, hein. J'ai tellement pas envie de rester devant. C'est un truc de malade. Je vais pas me planquer derrière un arbre. Non, casse-toi. Ah, je peux pas spammer mon putain de Whirling Blades. C'est quoi ça? Je sais pas, mais t'as vu Ouais, non, tu m'avais pas prévenu, Dante. Tu m'avais dit, j'aime pas cette map. C'est tout ce que tu m'as dit, hein. Salaud. Je t'avais prévenu, l'autre. Enfoiré. Ouais, puis toujours pareil, hein, je me fais la map avec 3 millions de mods, hein, bien sûr. Because I'm happy. Il est où le... Il est où le monio? Il est où le méchant là? C'est quoi ça? Ça se tue, non? C'est quoi ces trucs? Je comprends tellement rien à ce qui se passe, sans déconner. Bon, on va se dire que... Le boss, je l'aime pas. Ouais, d'accord, il l'aime pas, mais... Mais c'est parce que tu l'aimes pas que tu... Si je t'en fasse, moi, je l'aime pas. Hein? Sacré toi. Comment on fait? Pourtant, faut bien que je les fasse avec des mods, hein, ces maps, sinon... Sinon, j'avance pas dans mon atlas, et moi, je veux avancer. Il se transforme en loup et quand il est en loup, je fais pas de dégâts déjà de base. C'est son tarif à lui quoi, c'est. Voilà. Il a décidé qu'il prend des pas de dégâts en loup. Mais tout à l'heure j'ai. Il est où? Non, je sais plus où il est par contre. Et tout, monsieur? Du coup j'ai pas de. J'ai plus de charge, j'ai plus rien. Je sais pas où il est. C'est pas que je veux pas, hein. C'est pas que je veux pas, mais bordel, il est où? Allez, joke avec ce qu'on voit des bits. Voilà, donc ça, il faut pas que je le prenne, par exemple. Ah non, mais il est gentil. Ça va là-haut qui fait 25 km? On va réinvoquer le golem parce que le golem, il a l'avantage de tanker un peu des fois, enfin de tanker, de faire à pas. Le mot est plus juste. Ça, il faut pas que je le prenne. Ça, c'est pas bon.
Non, ça c'est mauvais pour la santé. Oh là, je spamme les potions, c'est un truc de malade. Ok, donc en loup, on est d'accord, hein. En loup, c'est il prend pas de dégâts, c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Voilà. Il faut vraiment se planquer à mort en fait. Là, il peut prendre. Là, il peut pas prendre. Non, non, là, je peux pas, Ritus. La personne que vous voulez joindre est actuellement indisponible. 2 secondes, hein, je meurs comme une merde et je suis à toi. Et il est où le Kiki là? C'était pour... Ouais, je sais, j'utilise, mais non, il faut que. Il faut que j'arrive solo. Puis ça va, il va pas faire son difficile là, le boss là. Oh la vache. Ce truc là, je sais qu'il faut pas que je le touche, mais. Allez! Allez, 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 allez! Putain! Il se morfe en loup à. Il se morfe en loup à un pixel de vie, frère! Meurs! Dégage de ma map! Je te bouillave! Oh, c'est tout ce qui m'a looté, sans déconner. Une 14, une 13, une 13, une 11. Allez, c'est bien. Merci! Faut que l'iris tout seul comme un grand. Exactement. Je dois prendre mon envol. Le petit oisillon que je suis doit devenir un grand aigle courageux. Donc ça c'est fait. J'ai envie de dire trop facile ce jeu. Ok, je suis pas crédible. Allez. Est-ce qu'on a looté c'est bien malformation que je devais refaire, hein, on est d'accord. On va ranger tout ça. Non, je sais pas, elle est où? Non, je vais faire Colosseum en 14. Ouais. Mais ça. Je les ai faites? Ah non, j'ai tout fait? Je joue avec les mêmes gants. Ouais, ils sont sympas, hein. Ils sont très marrants. Ils sont pas fous, il y a mieux, hein. Même mes gants d'avant étaient mieux, mes gants tout jeunes, tout pourris. Mais c'est marrant ces petits compteurs de rampage et tout là. Et si je vends 3 Belfry? Parce qu'il me manque toujours la Mesa. Il veut pas me filer une Mesa si je vends 3 Belfry? Waterways, non, bah c'est pas grave, je te file quand même. Mais attendez, malformation, elle est où? Je suis en train de devenir ouf là. Malformation, elle est là. Je l'avais déjà faite? Atlas bonus complete, ah ouais. Je vais le faire tout à l'heure. Ah mais oui, on l'a faite avec Disease. C'est la map avec le mec qui tourne en rond avec son rayon de feu, je suis con. Bah donc c'est cool, du coup il manque vraiment plus que Mesa. Et j'aurai tout clean à partir 16, hein, bien sûr. Et ben ça rocks. Non, il manque Colosseum. Non, j'ai des conneries. Non, j'ai carrément des conneries. Bon, on va continuer à faire des maps. Allez, Plaza, c'est parti. Un petit coup de Plaza. Réflexe physical, on s'en fout. Allez, c'est bon. Let's go. Elle finit quand? La saison de PoE. Dans 10 jours. Dans 10 jours, enfin, plus précisément, dans 10 jours, il y a la saison de... Oh, c'est un ambiant, tiens. Il y a la nouvelle saison qui pop. T'as déjà essayé The Hall of Grandmaster? Eh ben, ah non, tiens. Je l'ai. Je l'ai faite à chaque saison, et à chaque saison, je suis mort comme les pires. Et là, je l'ai relooté, et je l'ai pas encore essayé. Donc, on peut se la faire, si tu veux, Disease. On peut se la faire ensemble. J'en ai une, si tu veux. Oh, toi, t'es un gros vélin, toi, hein. Allez, viens par là. Faut que je tente que tu débaisses. Ouais, ouais, bah... Faut surtout qu'on meure pas, hein. C'est... Le but, c'est pas tant de canaliser les mobs ou quoi.
C'est surtout de pas crever quoi. À chaque fois qu'on a fait Hall of Grandmaster, je vais y arriver. C'était avec Djokavex et Nacedo. Bon, on n'avait jamais débuté le tanky, mais à chaque fois. Chaque fois, on prenait trop cher quoi. On se faisait vraiment des pop. Hein. À certains niveaux, je ne peux pas tous les tanks, faut les poules. Ouais. Non, mais moi je suis pour poule, mais tu. Enfin. Je sais pas si tu l'as déjà faite. En même temps, si tu me dis ça, c'est que tu l'as déjà faite, je pense. Mais en tout cas, nous, elle nous a su pas mal, hein, cette map. Hall of Grandmaster, ça déconne zéro là-bas. Allez. J'adore ce combat parce que. Avec elle, c'est on se regarde dans le blanc des yeux et c'est à qui tapera le plus fort. Parce qu'elle est. Elle me tape, je la tape. Soit je vole assez de vie en faisant assez de dégâts, soit non. Je peux venir pour me faire carry, bah carrément Dante. Si ça te dit, on se la fait à 3. Hein. Et quand la saison de PE dure tous les serveurs. Et là, tu vas la réessayer, tu vas remourir comme le pire. Ouais, mais cette fois. Je le sais à l'avance. Cette fois, je sais que je vais mourir. Donc ça va. Je suis psychologiquement préparé à me faire étaler comme une crêpe. Ce sera impossible à 3. Pourquoi Dizzy, ce sera impossible? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a trop de dégâts, trop de points de vie. Pourquoi c'est impossible? Ben, on était 75, Joka. Moi, dernière saison, je suis monté jusqu'au 90. Hein. Donc là, je suis que 92. Non, l'idée c'est un peu la même. Hein. C'est juste que bah nous, on a toujours joué que en SSF et du coup ça pique quoi. Enfin, on n'a jamais des builds vraiment tanky. On arrive un peu en touriste aussi à chaque fois. Si on a un moins de 90, on peut pas payer le sol. Ouais, mais Disease, c'est dans cette logique-là, j'y vais tout seul, tu vois. Je comprends hein, ce que tu dis, mais. Mais si je me dis ça, bah j'y vais tout seul et comme ça j'ai plus de chances d'y arriver seul que avec toi ou avec trois si les mobs font plus de dégâts et tout. On s'en fout là, c'est juste. On y va tous ensemble et on meurt tous ensemble quoi. C'est ça qui est marrant. Et je pense qu'on peut le faire, hein. Faut y aller confiant. Moi j'y vais pas pour crever, j'y vais pour la faire hein, la map. Après il se passe ce qui se passe, hein. Tout seul, tu n'y arriveras pas non plus. Bon, on la fait pas alors. Si j'arrive pas tout seul et qu'on n'arrive pas à plusieurs, au moins ça règle le problème. Comme vous voulez, hein. Moi, si Dante il est chaud. Vous vous rejoignez sur Discord ou pas? Ouais, carrément. On va se Discord. Juste pas avoir un rival toi. Bon, on s'en fout. Tu sais, Dizzy, c'est la fin de la saison, hein, là. C'est. Il faut qu'on s'amuse, qu'on découvre des trucs. Quitte à crever, hein. Allez, on va se mettre sur Discord. Et vu que je suis un gros flemmard, je vais laisser Joke avec s'occuper de ça. N'hésitez pas à vous log directement, on va vous basculer dans les groupes et dans les groupes de chat et comme ça sera plus pratique. Je sais pas que c'est pour ça que je suis à 33%, 35%, j'ai mis une heure. Ah oui, après, ouais, mais en même temps, Diziz, si tu, j'ai dit à partir du niveau 90, non, je suis pas connecté. Ouais, je sais, je suis un boulet. À partir du niveau 90, d'après moi, il y a un choix à faire sur vos sessions.
c'est soit vous voulez push les maps en vous disant voilà, je voudrais monter le plus haut possible. Et à ce moment-là, vous le faites au début du niveau et vous acceptez le fait que vous allez crever peut-être régulièrement. Soit vous voulez XP et à ce moment-là, vous allez faire des maps qui sont safe, que vous connaissez, qui sont d'un niveau suffisamment haut pour vous apporter du pex, mais pas trop pour pas que vous creviez régulièrement. Mais vous mélangez pas les deux, vous pouvez pas faire un coup, je me fais 30 maps pour monter un peu ma barre d'XP et puis tiens, je vais pêcher une. Ça marche pas, vous faites déboîter. Voilà, j'y suis. Creep. Alors Creep, il faut que tu te log. Ah mais il y a Creep de luxe. Ah non, d'accord, mais il est en. Alors, mettez-vous dans le chat et Jokavex va vous basculer en. Ou alors je vais vous basculer dans le stream. Dès que vous êtes connecté. Je sais pas où vous arrivez. Faut que vous connectiez à salon vocaux. Vous êtes en général et je vous bascule dans le stream, comme ça on est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai eu là? Lionize Paw. D'accord, donc ça c'est tout caca, on est d'accord. Ouais, ça c'est des links, on s'en fout un peu. Comme vous voulez, après moi je. Non, non, mais Dante, moi si t'es chaud, on l'a fait ensemble, hein. Je préfère largement mourir ensemble que finir la saison avec dans mes coffres une map que j'ai pas faite parce que voilà quoi. Donc, viens dès, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sans déconner. Hein? On est là pour se marrer. Hein? Si vous voulez vous prendre la tête, il faut aller chercher un autre stream, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, on s'amuse, on profite. Du coup, on a eu une 15 à faire, ça c'est cool pour après. J'ai toujours ma Colosseum à faire. Ouais, franchement, il a raison, Joker. Hein. C'est dans tes viens parce que. A priori, j'ai pas forcément le niveau pour la faire, ou j'ai pas le build ou quoi, donc. Je vais crever avec ou sans toi. Elle est où d'ailleurs? Ma Grandmaster, elle est là. C'est con, c'est une T11 en plus. Dans l'absolu, on pourrait se dire c'est facile une T11. Bête. Mais en fait, non. Mais en fait, la Grandmaster, elle est hard. Allez, viens dès. Vous êtes où? Raitus. Et il me manque. Il manque Dante. Dante, je sais pas si j'étais en ami dans le jeu. Diziz, viens sur le Discord hein, si tu peux. Ce sera plus pratique. Hein. Si tu as envie, bien sûr. Ah, quel salaud, Joker. Tu m'as mis Path of Exile dans ancien jeu dans Discord. Genre, le mec, il m'a foutu au placard direct. Quoi. Il m'a même pas demandé. J'ai des enceintes, ça va faire un retour sur le stream. Ah, t'as un micro. T'as pas un micro casque? Bah c'est pas grave, tu viens quand même comme ça tu t'as en direct ce qu'on dit. Au pire tu coupes ton micro. Teste déjà Discord si ça marche. Mais ouais. Pourquoi il y a une mage de 50 mégas? Sur quoi? Sur pied. Non non mais viens Diziz. Hein. Au pire tu coupes ton micro mais au moins t'écoutes juste ce qu'on dit. Bon, en attendant que Dante fasse sa mise à jour Discord, on va sur d'autres maps. On va faire la Basilica. Ça te dit, Diziz? Petite Basilica? T'es 15?
On va mettre 4 chisels. Et alchimie. Temporal chains. Pfff. Je veux même pas savoir au-delà de ça. Temporal chains, ça sent le pâté. Le pâté faisandé. Et il m'en a remis, hein, bien sûr. Je m'en fous, j'ai des alchimies. Elemental lunaire, réflexe physical. C'est ok pour toi le réflexe physical damage? This is. Et on a dit qu'on cramait qu'un trait de gêne. Qu'est-ce qu'il dit? Moins 60 et 40, faut éviter. Ouais, non, là c'est bon. Non, là c'est bon, on a du. On a juste du Elemental Weakness. A priori, pour toi, ça devrait passer quand même, même si c'est important pour toi les résistes. Allez. Bien. Viens, on va s'amuser. Même plus qu'éviter. À bannir. Non, mais là c'est cool. Il y avait quoi dans la match de 50 mégas? Je sais pas du tout. Hein, je peux pas te dire. Attendez. Voilà, ton jeu il est plus dans ancien, c'est bon. Salut Joka. Ouais, je sais pas, tu t'étais dit. Tu t'es dit POE, c'est plus, c'est pour les vieux et tout. Je vais régler ça dans un coin. Ah non, tu m'avais dit que ouais. Tu voulais jouer à Détroit, c'est pour ça. Attends, je t'ai dit que je ferais la prochaine saison de Détroit, elle est dans un mois, ça va. Non, au début je vais la faire plus rapidement, c'est vrai, mais. Disons que t'as vachement anticipé quoi. Ouais, je suis dans le futur moi. Il a pas le temps de Joker. Du coup, t'es sur. J'ai vu tout à l'heure, t'étais sur Warframe? J'ai joué un peu Warframe tout à l'heure, ouais. J'ai débloqué pas mal d'armes, donc faut que je les pexe. D'accord. Mais en fait, Dauntless, là, comme il y a les serveurs dans 2 jours qui ouvrent, on peut plus y jouer en attendant. Mais j'ai pas pigé du coup, Dauntless, en fait, c'est le jeu est pas encore sorti officiellement? Non, là c'était une bêta fermée. Le 24 mai, là, ça sera une bêta ouverte. Et d'accord. La sortie officielle, je sais plus exactement quand. Mais du coup, là, il va y avoir un wipe du serveur. Pour la bêta ouverte. D'accord. On recommence à zéro. Ce qui est plutôt une bonne chose au final, comme ça on va pouvoir reprendre tous ensemble. Ah oui, bah c'est sûr. Bah du coup, c'est la bonne occasion pour que je m'y mette vraiment. Hein. Comme ça, on redémarre tous au même moment. Hein. Mais du coup, il y a. Ça se passe comment? Il y a des. Il y a des niveaux, il y a de l'XP sur Dauntless. Il faut farm des trucs? Ou c'est juste des armes et des. Alors, et des patterns des... compos pour crafter les armes. Ouais. En gros, tu farmes un mob et tu vas pouvoir crafter ses armes et ses armures. D'accord. Après, il y a des niveaux, mais c'est pas très utile en fait. C'est juste. Ça va pas te débloquer grand chose à part. Je réfléchis. Des espèces d'enchantements pour tes armes. D'accord. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai pris un niveau, ça me débloquait juste des. Ça me donnait des enchantes pour mon arme. Ok. Je vais baisser un peu ton son parce que. C'est putain de fort. Attends, t'es où? Donc, comment où je fais. Dante, il faut que t'ailles dans le salon vocal général si tu veux venir. Oh merde, vas-y. Il y a un mob dans un coin encore. Tu veux tuer? Ouais, j'ai AFK au milieu de nulle part. Faut croire qu'il y avait un mob quelque part. Qui a flairé le bon plan. Ah merde, c'est juste avant le boss en plus que je suis mort, quel con. Ça, c'est pas cool. Ouah, du coup, il y a Dizis qui était en train de se friter là. J'ai quand même l'impression que je fais plus de dégâts que toi en mono-cible sur les boss, hein, Disease, étrangement. Ah, c'est bon, il y a Dante, je vais le basculer. Allez. Oh, vas-y. Salut. Oula. Ah, on a le retour. Ah, ouais, c'est normal. Non, tu es plus là. Impeccable. Ouais, c'est bon. Salut Dante. Ça va? Impeccable, et toi? Ça va. Tu viens de faire laminer la tête avec nous. Hein. Ouais, faut s'amuser. Hein.
ou se suicider. Nous, généralement, ça a fini comme ça. Hein. On l'a fait. Genre, à chaque saison, on l'a fait, la Hall of Grandmaster, et à chaque fois, on s'est fait mais torcher, quoi. Mais c'est vrai qu'on arrivait toujours en mode touriste. Je pense que là, je sais pas, il y a peut-être moyen. Ça change, là. Bah, je sais pas, psychologiquement, je me sens vachement plus prêt, tu vois. Je me suis mentalement préparé à mourir. Jamais fait la map, donc. Bah, en fait, c'est une espèce de couloir. Et t'as des. D'après ce que j'ai compris, en fait, t'affrontes des vrais builds de vrais joueurs. Ah ouais? Ouais, c'est assez chelou. C'est pas des mobs classiques, c'est des mecs, ils ont. Enfin, tu vas affronter. Tu vas affronter des mecs en Glacial Cascade, en Ride to Fire et tout, quoi. Ouais, ils vont pas tous te one shot. Bah, pas tous. Le PVP, tu rentres dedans. Ouais. C'est du one shot. Non, non, mais là c'est pas ça, mais. Mais presque. Ouais, tu le sens passer quand même, quoi. C'est à voir ce que ça donne. Bah écoute, hein. On est là pour ça. Hein. Ouais, c'est simple, la saison précédente, hein, c'était. Soit moi je l'ai one-shoté, soit eux ils m'ont one-shoté. Hein. Ah. Mais il y a des mecs qui les farment. Un mine, une glacial cascade et. Ouais, c'est ça. Ça tapait super fort. Hein. C'était l'un ou l'autre. c'était la loi du shérif, quoi. Il n'y a pas de place pour nous deux, quoi. C'est lui qui lutte, quoi. Celui qui tire le plus vite, ça a gagné. C'est tellement ça, quoi. Mais apparemment, les mecs, ils s'en servent un peu de valeur étalon. Hein. C'est la map qui sert à jauger un petit peu de la puissance des builds. Donc je pense qu'il doit être sérieux, quoi. Bah, ça doit être plus ou moins la map la plus dure, non? Je sais pas. Je sais pas parce que. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais après, il y a quand même l'Elder et tout, les gardiens. Enfin, je sais pas. Y a ouais. des... Et surtout aussi Shaper en Elder. Ouais. Ah oui, Elder en même temps après. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, tu peux rajouter avec un mode qui fait double boss, si tu veux. Ouais. Allez. Histoire 2, hein. Vraiment. C'est pour ceux qui ont vraiment faim, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Alors, attends, ça c'est avec quoi? Non, ça c'est. Attends, je sais plus ce que je fais. Essence, c'est là. Donc, j'ai relooté une basilica. Bah, pour moi, c'est good, hein. Mais je. Dans le groupe là? Non, non. Dante. Mais j'étais pas en. J'étais pas dans la liste d'amis, Dante. Ici, tu m'as ajouté. Ah ouais? Ouais? Ah ouais, je suis con. Regarde, je t'envoie un petit message. Je dois être bourré, bah ouais. Ah, intéressant. Eh, tu vois, cherche neige, lire. tout pareil, moi c'est comme toi. Vous êtes chaud du coup, c'est bon? Dizzy, t'es OP? Dizzy, il est même pas sur le. Dizzy, il est pas venu sur Discord. Il est pas sur Discord. Il boude. Ouais, techniquement, j'aurais peut-être un peu de chance vu que moi je suis à distance. Ouais, on a pensé ça au début. Tu joues pas du tout comme build Tornado shot. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça va, tu dépopes un peu avec ton tornado quand même, tu fais mal. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de reflect. Hein. Il y a deux avantages. Il n'y a pas de reflect et on a un gros tank devant. Donc, on va essayer de s'en servir. On va essayer de profiter du truc. Moi je vais essayer de m'en servir. Toi, vraiment que t'ailles devant, quoi. Ouais, mais genre je me planque un peu derrière, tu sais. Je tape par-dessus l'épaule, quoi. Allez. Bon, en plus, on est trois, donc on peut tous mourir une seule fois. Moi, ça règle le problème. Donc, il n'y a pas de mob qui se balade, hein. On va avancer. Tout le monde est là. Je connais pas la map, hein, donc je suis. Bah, je suis ça, je te dis. Il n'y a pas de mob qui se balade. On va ouvrir des grandes portes et rentrer dans différentes ailes. Et ouais, effectivement, on va avancer tout doucement. Mais on va laisser. On va laisser Dizzy le faire. Je dois les poules avant. Faut que vous avanciez comme des bourrins. Ouais, non, là c'est vraiment la map où faut. Y a pas à se presser, hein. Y a pas de temps ou quoi. Parce qu'on réussit à aller choper un par un. Ouais, genre là, on va attendre là. Voilà, on le laisse. Voilà, on rentre. Et on bouge pas de là. On va attendre d'ici. Dès que tu vois sa vie descendre, t'avances timidement. Bon, là il les a des pop, mais c'était sûrement des trash, non? J'avoue que s'il les tue. Ouais, les premières vagues, ouais.
Tu vois, les vagues, elles sont petit à petit là. Faut pas se laisser avoir par l'apparente facilité du truc, hein. C'est. Ouais, c'est ce que je me disais, ça paraissait un peu simple quand même. Là, au début, les premiers, ils sont niveau 50, mais à un moment, tu vas avancer, tu vas faire le skill move de trop et tu vas mourir, tu vas pas savoir d'où c'est venu, quoi. Si tu avances trop, hein. Tu vois, ouais, je recule un peu. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mob, du coup, pour régène, c'est pas. Ouais, y a pas de mob pour regen, y a pas de mob pour monter Les stacks, quand même. les stacks. Oh putain! Ouah! Oh oui! Oh oui, en Ouais, effet, ouais. J'ai senti passer celui-là. bah, la dernière fois on était mort là avec Jokavex. C'est sur ce mob. Sur ce mec qui nous faisait des glaciers de cascade, qui avait une regen de malade. Suis resté comme du bois. Hein. 85 déjà recul. Ouais, Il tank bien, Dante, là. Dante, franchement, il est costaud. Hein. Mais franchement, il a un build qui vaut je sais pas combien d'exa parce qu'il a trade comme un fou furieux. Donc là, il va Oh. ouais, ça chain. Hein. En face, ils ont les mêmes arbres que nous, donc faut vraiment pas se moquer d'eux, quoi. Je sais pas combien j'ai combien d'évasion. J'en ai 12 000. Wow. Ouais, je crois que je suis à peu Il a près l'air d'être autant. vénère, lui. Bon, attends, il est bien seul, c'est bon. Allez, go. Après, on leur fait mal aussi, hein. C'est juste que bah, c'est du one shot, c'est l'un ou l'autre, tu vois. C'est on est tous En fait, concentrés à mort là. en fait, le problème, c'est que tu sais pas d'où ils peuvent venir, tu sais. Ouais, puis surtout si tu sais pas quel skill tu vas prendre dans la tête, donc bah voilà. Moi, je suis vraiment. Oh. Ah oui, ah non, ah oui, d'accord, moi je vois aussi. Ok, il y a un mec qui joue. Comment ça s'appelle Ouais, contagion. Ouais, contagion. Donc on peut revenir une fois chacun. Ouais. Ça limite, hein. Parce que je crois que j'étais assez déçu quand j'ai vu que ma vie pouvait plus la régénérer. Allez. En vrai, la map, elle rigole pas. Non, c'est. En fait, c'est pas tant la map, c'est vraiment le fait que. Bah, les mecs utilisent des skills qu'on n'a pas l'habitude d'affronter et le jeu est pas forcément taillé pour nous permettre d'encaisser ça sur tous les builds, tu vois. T'es pas censé te prendre un Rite of Fire, une contagion ou quoi. Surtout aussi, je joue avec des Frenzy Charge. Je sais pas que c'est pas trop ça quoi, pour les stacker. Ah bah j'ai la même que toi, hein. Je pense qu'on a. Non, t'as pire que moi, t'en as plus. Ouais, j'en ai 9. Mais je veux dire, Moi j'ai c'est le même six. mécanique quoi. Ok, donc ça c'est fait. Faut vraiment avancer doucement. On va vraiment laisser. Moi je tire hors vision. Hein. Ouais, mais t'as raison. De toute façon, t'es Et en comme ça ado. les mises là. Ok. A priori, C'est c'est mal mieux chez nous. T'as rose ta zone et c'est bon. Ouais, c'est ça. Non mais je tire vraiment de manière aléatoire. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Ça sent c'est un couloir. Hein, donc. Ouais, puis compte pas les balles, hein, de toute façon. Donc. Ils sont plusieurs, on va le laisser Raytus. On va laisser Dizzy's vraiment les poules un par un. Moi je peux pas m'avancer. Hein. Parce qu'en plus on n'a pas de frenzy, on n'a pas de phasing, on n'a rien du tout. Raytus, c'est vraiment le meilleur build de carry des maps. Oh, il est joli ce phoenix là, c'est quoi? On est tellement loin de Dizzy's quoi. C'est un truc de ouf. Ah mais gros. Moi tu m'as hypé le truc en mode tu regardes dans les yeux, tu meurs quoi. Putain. Oh il m'a fait flipper. Ah y'a Raytus Fire aussi. Cassos. Ouais. Il a Dégagez. l'air vraiment pas cool, hein. Ah! Oh la vache! Putain, c'est j'ai rien pu faire. J'ai la pression, c'est un délire. Du coup, on peut plus vous regarder là. Est-ce que je crame le dernier portail ou pas? Bah c'est ta map, hein. Bah ouais, vas-y. Bah sinon, là, sur le stream, on a rien. Bon, je crame, mais je reste vraiment loin. Mais là, en fait, j'étais loin. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il a pas de problème hein, pour la faire seule. Hein. Bah arrête tout, il a pas de problème pour faire grand-chose, donc. Putain, ouais, ah non, je viens de voir ses HP. Ah, c'était limite, hein. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, les mobs ils vont être vraiment très 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 forts. Hein. Bah là, c'est 92, on a morflé. Hein. Non, après, en fait, ce qui est impressionnant avec Dizzy, c'est pas tant sur son build, c'est pas tant ses HP, qui doit avoir genre 7-8 000 HP, c'est surtout sa régène. C'est un truc, c'est pété, hein. Il régène genre 15 à 20% de vie par seconde.
Bah si, il est obligé de compenser sa régène par sa perte de vie. Dernière wave. Vas-y, on reste loin. Je suis à peu près à 50 km là. Ça, ça va toi, on te regarde. On a les jumelles et tout quoi. Nous on s'amuse. Oh là, oh, 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 il fait peur lui. Attends, du coup, faut que j'avance un petit peu pour le stream quand même, pour montrer un peu le boss quoi. Putain, je vais me prendre une vieille. Tu vas crever. Je vais me prendre une vieille flèche de loin sans comprendre ce qui se passe. J'arrive pas à le tuer. Tu veux pas canarder toi, Dante? Y'a pas moyen que tu t'envoies des flèches, même mob, de loin toi même... Oh, ah oui, le mob juste là. Ah merde, mort et tous, il est mort. Ah oui, ah oui, mais je le vois. Mais il a pas de barre d'HP, c'est bizarre. Ouais, il reste plus que nous, on a obligé de face ça. Ouah, la vache. Oh, il met un temporal chain, c'est drôle. Ouais, je l'ai senti, ça m'a pas fait plaisir. Ah, il est où? Je stack. Ouah, la vache. Ouah. Oh merde, mais j'ai fait pas de dégâts quoi. Ouais, moi aussi, c'est un problème, j'arrive pas à tomber sur part de chi. Mais résine trop. Malheur. C'est dégueu. Mais crève, bordel. Temporal chain, je peux pas régénérer mon mana. Allez, vas-y, vas-y, on essaie de le prendre dans un coin. Ouais. Ah, mais c'est bon. En fait, il avait un point de vie et full energy shield. Ah, c'est pour ça. Bon, alors on a plus de tank maintenant. Ok, attends. Bon, on va dire que je vais passer devant. T'inquiète, moi j'ai un gros. Vous avez fini les mails ou même pas? Là, on a tué le mob, mais je sais pas, hein, dernière wave. Je sais pas, j'ai peur. Y'a partie d'ombre sur la map. Ouais, Evil Grizzly, tu vas tank. On y va à deux. On ouais, il en reste un, je crois. Il reste deux. Essayez d'en choper un déjà. C'est bon, un, on l'a tué. Lou Lost. Il est ici. Allez, il est mort. Et c'est quoi, c'est Grand c'est Master Cache. Wouah. Ah bah y'a un Reduce Fire, t'as une DR. Bon. T'en veux? Tu veux des gemmes? Non, 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 fin de saison, c'est pas grave. Et du coup, là, c'est là. Ah ouais, non. Ah ouais, il y a plusieurs L. Ouais, il y en a 4. Et oui, il y a plusieurs L. Ah ouais. On en a fait une. Bon. On a perdu le temps. Je te propose de courir comme un bourrin. Non. J'aime pas ce plan. Ouais, on va essayer d'avancer un peu. Au début, ils sont simples. On va peut-être essayer de faire genre ouais, ultra doucement, quoi, tu vois. Ouais, je vais peut-être pas les sous-estimer, non. Ouais, ils me font peur. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Vraiment, les 3 premières waves, ça va à peu près. Ouais, Temporal Chain, par contre, c'est relou. Putain, ouais. En plus, on a un peu le même build, toi et moi, on a les mêmes faiblesses, quoi. La résistance. Ouais, voilà. Nous, notre faiblesse, c'est qu'on n'arrive pas à rester en vie. Ça compte ou pas? Combien de résistance d'évasion que passe? Je suis à 12 000. Je suis comme toi, hein. Non, mais tu montes à combien? Comment ça, je monte à combien? Ah, oula. Et là, il rigole pas, hein. T'es mort? Ouais, je suis mort, mais j'ai la vision. D'accord. Il y en a qui lance des spells de feu sur le sol en très grande quantité. J'y vais tant que j'ai encore des charges parce que. C'est ça que j'ai pris tout à l'heure. C'est ça que j'ai pris. Ouah. En fait, faut pas que je perde des charges vu que je suis tout seul. Si je commence à perdre des charges, je suis niqué quoi. Oh, attends, pour Alchains encore. Attends, je retourne la map, ça sera moins difficile. Ouah. Ouais. Bon, c'est pas normal qu'ils soient en tier 11 de map. Hein. On est d'accord, hein. C'est un faux ami, hein. Bon allez, bah les couilles, hein. YOLO, hein. Cours jusqu'au coffre. À mon avis, ça marche pas la technique. Ah. Et c'est le dépop. Ouais, c'est un faux ami, hein. C'est pas normal. Niveau 93. J'ai hâte de pas choper les petits phoenix. Hein. Ouais, petits phoenix. Ah, ils sont carrément beaux, quoi. En plus, il est en train de taper sur. Je sais même pas sur quoi il tape le mob. Regarde-moi. Regardez-le, quoi. Il tape comme un bourrin. On est tous morts, y'a rien. Il est en train de piétiner mon cadavre. Il a pour le sol pour pouvoir planter les petites graines. Bon, on est allé plus loin que la dernière fois, quand même. C'est vrai. Ouais. Il y a des mecs qui farment ce map. Ouais, ouais. Mais je pense que, regarde, Dizzy, à mon avis, lui, il est mort qu'une fois. Hein. C'est grave, quand même. Il est mort qu'une fois, il n'y a plus de portail. Hein. Et là, les mobs, ils avaient trois fois la vie et les dégâts. Hein. Je pense que lui, tout seul, il peut lui faire mal à la map. Hein. Peut-être qu'il peut la clean. Hein. C'est grave, quand même. Ah, ça rigole pas du tout. Hein. Bon. Bon, on a rien looté. Des bêtes blanches, une arme de chance, que j'y crois. On a looté
Des gemmes pourries avec de qualité 5%, 3%. Ouais. Moi j'ai eu. T'as comment en fait ça? J'ai eu ça. Hop là. Un topaz ring. Tout ça. Pourquoi c'est la richesse. En vrai, des anneaux, des colliers, je l'ai tellement trop par rapport aux autres items. J'en ai si tu veux. T'en veux? Il faut quoi? Des colliers comment tu veux? Non, mais tu sais, pour faire la recette du chaos. Bah, justement, je sais plus quoi en faire moi. Ouais, justement, en fait, moi aussi j'ai trop de colliers et d'anneaux. Ah, t'as trop de colliers et d'anneaux? D'accord, je croyais que t'en fallait. J'ai un demi-stage qu'on peut quasiment couper. Ouais, ça fait pas mal quoi. Right to fire. Eh bah, c'est sympa. Du coup, je me demande si tu peux m'aider ou pas pour faire l'Elder. Bah, on peut essayer en tout cas. Bah, ouais, carrément. Parce que moi, il me pose des problèmes, j'arrive pas à dodge sa grosse zone. Je sais pas comment. Je sais plus ce que je fais moi. Je me souviens plus bien. Je suis mort une ou deux fois sur l'Elder. Mais j'ai fini par le dépop. Mais on peut, hein, si ça te dit. À force de persévérance. Ouais, on va dire ça. Laisse-moi trouver la map. C'est quoi cette map? Tier 9. Scriptorium, est-ce que je l'ai? Scriptorium? Je dois l'avoir, non? Scriptorium, je l'ai, ouais, si tu veux. Bah ouais, je veux bien, je l'ai pas. Tiens, t'es où? T'es là? Tac, trade. Hop là. Je la corromps et tout, hein. Ouais. Bah si t'as besoin, oui, hein. Sinon, non. Non, si c'est juste pour tuer l'Elder et que t'as déjà le bonus, on la fait en blanc et on défonce, hein. Ou en bleu, ou en jaune, je sais pas. En plus, on va y aller à 3 avec Dizzy, tu vas voir, ça va être sympa. Au moins, on est sûr d'y arriver. Y'a rien de... Et juste... Non, elle est bien la map, ça. Y'a un mob de pack. D'accord. Ah, par contre, faut... Attends. Allez, si faut qu'on aille dans... la lance chez toi, ça afflue ou pas? Faut que je lance chez moi. Non, à mon avis, faut la lancer chez toi. C'est ton atlas qui va compter. Ouais, peut-être mieux la lancer chez toi, à mon avis. On va aller chez toi. On sait jamais. Non, si c'est moi qui les lance, ça va être mon atlas avec avec les trucs. Ah, j'avoue. C'est pareil. Bah non, parce que genre moi mon atlas Scriptorium, si je la lance, elle est où? Genre moi j'ai rien de ce côté de la map, hein. Scriptorium, c'est tout blanc chez moi. Y a pas de mousse, y a rien, y a pas un truc qui indique. Je peux pas aller chez lui. Tu dois pas être dans tes amis, bah, je pense, un truc comme ça. Attends, je l'ajoute. Normalement, je l'ai ajouté. Ils sont marrants ces gants, j'ai envie de les garder quand même. Hein. Ouais, je les ai aussi, ils sont trop marrants. Avec le rampage, le coup des auras, des AOE là, c'est rigolo quoi. Le petit compteur. J'aime bien. Sympatoche. Ils ont un skin joli, hein, je trouve. Quand tu regardes sur ton perso, un petit skin de flamme là. C'est ça la map, ce que ça voit. Alors, ouais, c'est cool pour nous deux, c'est cool. Ouais, y a rien de méchant. Ok, je la lance. Oh, joli les portails. Ouais, ils sont sympatoches. Allez, go! Ah, mais une... jaloux des portails. Ah ouais, non, je voulais en acheter des portails, mais. T'as pas craqué encore? J'ai pas trouvé qui me plaisait. Si, il y a peut-être le. Ah, le... mais je trouve vraiment sympa. Qui me plaisait. Ouais, ouais. Ah, une main. Ouais. Oh, ils ont de la vie, les mobs. Hein. Quand on est 3, ça fait bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre de plus one shot en courant. Ouais, surtout que là c'est une T9 et tout, donc Ouais, surtout en plus. Je me serais attendu à éternuer les mobs, mais même pas. Le moment où ton bon. L'écran ne ressemble plus à rien. Ouais, là, même avec les filtres, c'est le merdier. Hein. Bon, je vous laisse tout ramasser. Hein. En vrai, moi je m'en fous tellement. On arrive en fin de saison. Bon. Je capte même plus. Hein. Alors, ouais, faut prendre les maps, c'est ton dire. Ouais, mais c'est vrai qu'après les currency et tout,
Oula, quand on est double rampage, ça met des AOE de partout. Ouais, c'est vrai que. C'est le merdier. C'est ça, la double rampage. Et du coup, on le maintient encore plus, c'est vrai. C'est ce que me disait Joke avec tout à l'heure, quoi. Nice. 500, moi. Ouais, ça marche pour tout le monde. Ah, je suis à 491, moi. Vite, des mobs. Non, non, non. Oh, je l'ai plus. Ah, on l'a perdu. Mais c'est pas grave, on va la remonter. Cela dit, c'est pas mal parce que je trouve que ça permet d'avoir une idée du nombre de mobs qu'on tue. Chose qu'on n'avait pas avant, tu vois. C'est vrai. Et là, tu vois que tu montes à 500 assez rapidement, quoi. Donc en fait, on tue. Genre sur une soirée, s'il faut, on tue des millions de mobs, quoi. Je pense que le truc que j'ai ramassé, c'est les herbelles blanches. Les quoi? Les herbelts. Ah oui, pour crafter les Adventer. Ouais, l'espoir. Hein. T'as raison. Hein. Eh, ceux qui en ont, ils ont fait comme ça. Hein. Ils ont surtout eu beaucoup de chance. Donc faut bien le faire. Hein. Tu peux la looter ou tu ne peux que la crafter? Les deux. Non, tu peux la looter, tu peux la crafter. Et en plus, il existe en. Comment ça s'appelle en. Corrompu. En petite map là. Oui, tu peux l'avoir, c'est Divination Card. Ouais, ça va. Ah oui. Ouais, il y en a qui te le filent. Et d'ailleurs, pour ceux qui farment les Divination Card, ils font la map Burning Furnace. Non, Burning. Burial Ground. Burial Chamber. Burial Chamber. Ah, on est chaud. On est là. Hein. Allez, je mets les buffs. Bon, je vais fumer une clope, je vous laisse. De toute façon, je pense que. Attends, je comprends pas, je suis rentré, mais je me retrouve. Trouve ? Bah, je suis dans ton hideout. T'as pris le portail rouge, je pense, non ? Oui, t'as pas pris le bon portail. Putain, vas-y. Ah, il faut rester au milieu là, c'est ça ? Non, mais Dizzy, il va rester au milieu. Ah, ouais. Bah, ouais, c'est ça. Il... Ah, il bouge pas, il Quel enfoiré, quoi ! Quel enfoiré, à moi, il est AFK le mec ! Ça revient pas, quoi. Ce mec n'a plus de respect, quoi. Ah, ah bah je crois qu'il m'a mis une bif. Hein. Ah ouais, effectivement. Par contre, je suis en clic droit dessus. Je crois que sur la map, il a des HP. Histoire 2. Hein. Attends, mais Diziz, il est dégueulasse à regarder, quoi. Il est AFK clic droit, quoi. Le bon build. Oh, je suis mort. Ok, tac, tac. Je suis mort, mais je vais vous laisser, je vais rester en mode mort là. Je vais vous regarder le tuer tranquillou. Ouais, ouais, en mode vieux. Ouais, il a un paquet de points de vie. Oh ouais, c'est un... Moi j'essaie de survivre. Mais c'est toujours pareil, on est à 3 donc. Oh, un paquet de points de vie à 3 joueurs. What? Faut faire quoi là? Il faut tuer tout ce que tu vois. Hein. Du moment que ça a une barre de vie, tu tires dessus et t'essaies de pas mourir. Généralement, c'est une stratégie qui marche. Ah, ça va, il s'avait des mobs donc ça va, je crois. Je suis gameplay. Ouais. J'arrive quand même à être viewer de mon propre stream. Hein. C'est. Je pense que celle-là, je l'avais pas encore faite. C'est le stream du futur, ça. C'est exactement quoi. Le mec, il ouvre un stream, il fait jouer ses viewers et il les regarde jouer. Et il empoche la team. Putain, ça c'est le métier du futur. Ça. Ils sont bons ou pas les mecs? La fameuse technique. Ils sont bons ou pas les naturally low infat là? Les comiques là. Par contre, vous êtes gentil si vous pouvez déporter le fight un peu vers le haut, comme ça je peux regarder plus tranquillement. Bah, le portail se peut nous donner un peu. Ouais, je rigole. Mais il est presque mort là, non? J'ai croisé un shaper avec quasiment pas de points de vie là. Il a respawn avec de la vie. Oh, il m'en veut. Oh, il m'a gemme! Ah, pas cool. Ouais, la vie. Cool. Oh, il y a ta vie qui fait des bons là. Ouais, il te gèle et il tape, il absorbe tout le monde après. Il fait grave flipper, je connais pas ses spells. Ce streamer de qualité. Laisse-moi tranquille. Oh, on m'a dit. Et voilà. Il y a les chats qui se vénèrent là.
Oh tiens, j'ai jamais vu J'avais jamais vu, c'est quoi? Vous l'avez vu, c'est bon? Il est mort, le mec? Ouais, ouais, il est mort, il est mort. Oh, j'avais jamais vu cette ceinture. C'est quoi? Celle-ci. Ah, ça me dit quelque chose. Bon, même si je l'ai pas looté déjà. Non, j'ai looté autre chose, moi. Ouais, il loot des objets assez uniques, hein. J'avais jamais vu de ma vie. Bah, comme quoi. Il y a peut-être que lui qui peut la looter. Ouais, ouais, je pense. Il file des trucs uniques. Bah, il y a la marque Shaper de l'aile dernière. Ouais. J'ai vu. Bon, où est-ce qu'on en était donc? Au niveau des maps. Bah, il me manque toujours le même, non? Ouais, il me manque Messa. Oh, et Colosseum. Messa, c'est ma pire combien? Messa, c'est du 11. Messa. De quoi? T'as dit quoi, Joe? Il te manque combien de maps? 2 maps. Enfin non, ah ouais. Il manque Messa et Colosseum pour tout clean quoi, jusqu'au T15. Après il manque toutes les maps T16 et c'est quelques maps uniques. MESA. Alors il y a une petite partie d'ombre, donc ça doit aller vers le haut quoi. Ouais, mais c'est une T11, peut-être tu l'as pas débloqué encore. Ah, c'est une partie d'ombre, moi je l'ai pas. Puis j'ai pas fait le haut. C'est dans le cercle intérieur. Ouais, mais c'est bizarre que je l'ai pas. Genre, c'est de manquer deux maps dans le cercle intérieur que je vois pas. Bah, ça doit être ça. Hein. Et genre un petit trait au milieu qui s'y part. Je cherche pas. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On se fait une 15? Il y a une basilica, ça te dit? Allez. Vas-y. Oula, il s'est passé quoi chez. Qu'est-ce qu'il fait, Raytus? Je sais pas, Diziz, sa vie a fait le yo-yo depuis tout à l'heure là. Il s'est des incantations magiques. Ouais, je pense quoi. Il est en train de nous faire un jutsu. Ah non, en fait, il crame son. Il montre ce qui se passe quand il utilise son Raytus no Jutsu. En fait, il lance son Raytus Fire, mais sans ses résistances en fait. Ou sans sa régène ou je sais pas quoi. Ah, c'est vrai que ça te brûle ta vie assez rapidement. Allez, une petite basilica. Ah oui, quand même. Si vous êtes chaud. Est-ce que j'ai une alchimie? Ouais. Allez, en plus j'ai un petit point blanc dessus. C'est bon pour toi ça, Dante. J'ai déjà point blanc sur. Ah ouais? Tu joues de base? Oh. Ouais, je l'ai de base. Allez, go! Ah, par contre, si je mets les buffs, c'est mieux quand même. En plus, il nous donne de la résistance, je crois. Ouais, résistance au feu. Résistance au feu et vitalité, il nous file. Ah, c'est le pote sympa, hein, Diziz, hein. C'est le mec que t'as envie d'avoir dans ton groupe. Hein. Ah, bah, du coup, ça fait vraiment que je joue les gants ou pas? Non, c'est la première fois là, j'ai essayé pour ce stream là. Oui, des fois, il y a un tremblement sur le sol et ça élimine tout devant toi. Ah ouais? Ouais, vraiment, j'adore. Ouais, moi ça va, hein. Il y a une soundbox. Oh, une soundbox plus 5. Allez. Fais-toi plaisir. C'est carrément vide. Moi, c'est vraiment quand on arrive au 400 que j'aime bien parce que. Parce que 400, ça fait la grosse vague de Dao et Rouge là. Merde! Mais c'est à 400? Ouais. Bah c'est de cette vague que je te parle. Elle est assez impressionnante. À voir, ouais. Bon là par contre j'ai reset, hein. Je suis retourné à 0. Vous êtes où là en fait? Vers le haut. On est devant la salle du boss. Ah oui, là-bas, je suis bête. Alors...
d'accord, 30 tonnes. Ah. Ok. Il se passe quoi là? C'est qui lui? C'est. Ah, il a lancé une relique pour. Comment il s'appelle l'autre là, le PNJ là? On bat de caméra, mais je suis. Et ouais, on a Beyond hein, comme. Comme mode. Quoi, Beyond? Beyond, c'est fait que quand tu tues un mob, tu as une chance que ça fasse pop un autre mob aléatoire. Et du coup, des fois ça peut te faire pop des boss complètement pétés quoi. C'est ce qui fait que t'arrives, tu te balades, tu croises un cafard, tu le tapes et il te pop un putain de boss de 12 pieds de haut. Oh, j'ai looté une gold amulette rare. Il y en a une qui vaut très cher. Ouais, la Bisco. Pour ça, je dis ça. Mais non, c'est pas la Bisco, j'ai looté l'autre. Il est toujours dans la salle du boss? Je sais pas où il est. Dans la salle de boss. Il est à droite. Et il est dans le boss, il est? Il est dans le boss. Ah, d'accord. Bisco, ouais, c'est celle qui l'a. Ah, ils ont de la vie, les boss, hein, quand on est à plusieurs joueurs. Ça rigole pas. The Ignomon. Oh, mais il te tanque n'importe quoi, c'est un truc de malade quoi. Il te tanque le rayon, mais serein quoi. Ah ouais, c'est le moment chiant ça. Petit combat de Kamehameha. C'est ça. T'as un truc pour caber les mobs, non? Pour calmer les mobs? Pour caber? T'as un knockback? Ah! Le gant d'acier? Ah non, c'est quand je fais un critique. Ah oui, quand je fais un critique, ça knockback les mobs. C'est quoi, c'est Chinsol qui fait ça ou non? C'est un truc comme ça? Non, c'est pas le Chinsol. En fait, le but c'est de. De le jouer avec. Et ben voilà. Avec le gant d'Adziri, parce qu'en fait, le gant d'Adziri, il inverse le knockback, et du coup, les mobs se rapprochent de toi. Et du coup, avec point blank, c'est encore mieux. Ouais, j'avais vu ça. Mais là, comme je les ai vus pour partir en arrière, je me dis, tiens, il doit avoir. Ou alors, c'est peut-être une flasque, non? Peut-être une flasque qui fait un KB aussi, Lion's Roar, un truc comme ça. Ouais, j'ai une flasque qui m'augmente mes critiques, la Diamond Flasque. Ouais. Bon, donc ça, c'est fait. On disait que j'ai pas looté de map, mine de rien. Si. Moi j'ai deux maps. Une 14. J'ai deux maps qui traînaient sur moi. Si tu veux faire des maps, si tu veux qu'on les fasse, vas-y, hein, on te suit dans ton hideout et on y va. Hein. Non, mais je te les passe. Tu les as déjà faites? Non, mais, ouais, c'est des maps que j'avais sur moi, c'était à refaire. Ah, histoire d'accord. De fermer. Bon, bah écoute, allez. Hein. Je vois si on peut les faire, ouais, on peut les faire. Hop là. On vide, vite fait. Bon, allez. Oh, y'a un. Qu'est-ce que c'est? On va regarder ça. Y'a un casque qui fait plus 51 à Chaos Résistance. C'est sympa. Allez. On va faire tes maps. C'est parti. On va se remettre un Beyond. Je sais pas pourquoi j'ai laissé une map sur moi. Go! C'est vrai que je m'étais délaissé du jeu parce que la nouvelle saison allait arriver et à force d'en faire la même chose. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Alors que D3, en vrai, j'ai jamais fait de réel but, je savais pas comment jouer. Je suis un peu allé au feeling. Alors D3, c'est vraiment pas dur. En gros, maintenant quand tu. Oula. Quand tu arrives vers la fin du jeu, tu fais une petite chute de quête qui te file un set complet. Un set endgame complet. Et c'est toujours le set qui va fixer le build que tu joues. Donc en gros, tu suis ce que le jeu il te donne et tu utilises les skills qu'il te dit d'utiliser. Et ça se passe tout seul quoi. En plus, ouais, surtout que t'as pas les millions de spells qu'il y a comme dans Po, tu sais. Ouais, enfin, cela dit quand même, tu peux arriver sur des builds où graphiquement c'est surchargé. Hein. Bah, il y a le chasseur qui tourne sur lui-même et qui tire des flèches.
Le tornade, non, ouais, non, mais y a pas tant ça. C'est surtout les builds de sorciers, tu sais. Si je joue un peu comme dans PoE, hein, dès que tu prends une classe de magicien, les mecs ils envoient des spells de partout, c'est ils te spam le, quoi. Le fameux glacial cascade. Bah voilà, t'as sa version Diablo quoi. Attends, j'aime pas cette nouvelle mécanique des shields sur les boss, sur les mobs. Ils sont trop horribles. C'est vrai que c'est relou hein. Bah, surtout pour toi du coup. Il y a un truc, ouais, surtout pour moi. Ouais, il y a obligé d'être corps à corps, ouais. Parce que nous de base on est au cac donc on se sent pas trop. Je sais pas quoi faire comme bulle pour une prochaine saison moi. Bah faut voir un peu les nouveaux spells qui vont sortir déjà. Voir s'il y a pas. Je sais pas, généralement ils s'amusent à bouger un peu la méta. Ouais vite fait hein. Ouais c'est vrai. Cette saison, hein, ça avait pas bougé des masses. Hein. Cette saison non ça avait pas trop bougé. Bah là, le Raikous qui est présent. Hein. Après il marche pas bon. Ouais Raikous. C'est le build par excellence quoi. Ouais. Bah il est ultra résistant, tu peux farmer de la vie facilement, tu peux farmer les boss facilement, Adziri, enfin tu. C'est sûr qu'il est. Je me suis perdu dans la map moi. What? Je sais pas où c'est là, je t'avouerai. Okay, je sais pas où il y a le boss. J'ai la salle du boss. Ah bah on va te rejoindre alors parce que. Ah ok d'accord, si tu veux. Ouais, le reste est clean hein. Le reste on l'a vidé. Je connais plus le boss. Allez, on va attendre Mr. Disease. Le tank. Et le problème de ce build c'est qu'il est très fort mais qu'il est doucement. Ah ouais tous ouais. Ouais puis il a pas beaucoup de mobilité hein. Ah d'accord c'est le même boss, mais en dark c'est ça. C'est le même et boss mais pas content. Et en plus et facile. On s'en fout moins tanky quoi. Ouais, et avec une seule phase. Voilà. Ça au moins c'est fait. C'était spécial. Du coup on va se faire l'autre. La race course. Race course elle est rigolote. J'aime bien la construction de la map. C'est genre comme les trucs. C'est une arène. De char là. Ouais, exactement. Je connais même plus le boss non plus dans ce map. Je crois que c'est plusieurs boss. C'est un petit groupe de 2-3 boss, je crois, un truc comme ça. Un petit collectif indépendant. Exactement. Qui essaye de percer dans le milieu. Ok, il y a un truc ici. Mais c'est assez tunnel hein, les maps. Hein. Oh, t'as une zone, une porte, une zone, une porte. Je connais pas ça, je sais pas si vous connaissez. The Valley, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, je sais pas, ça a l'air sympa. C'est écrit en violet, ça doit être sympa. Je sais pas, j'ai jamais vu, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, j'en ai un, mais. The Monster. Ah. Tiens, je suis mort. Je sais pas, j'arrive pas à les tuer. Quoi? Il y a une shrine au milieu. Il y a une shrine voilà, qui le rend invincible. Faut la péter. C'est moi, je l'ai vu. Bien joué. Pas relou. Ah, tu veux peut-être que je t'ouvre un portail, non? Non, c'est bon, j'arrive. Je suis là. J'ai l'impression que je suis mort à cause d'explosions qu'il y avait au sol. Il y a une autre map. J'ai entendu le bruit d'une map tombée. Ouais, vers moi. Ghetto. Encore le même shrine. Oh, relou. Attends, elle est où la map là? Elle est là. Ghetto. Vous avez fait de ce côté? Est-ce que t'es fait de ce côté? Allez, Arena. C'est Arena là?
Ouais, c'est le boss là. Wow. Là, ça a cramé des flasques, hein, on l'a vu. Hein. Ah ouais. Ils ont pris rush, hein, les mecs. Bon, allez, la pole axe. Prenez ce qu'il vous faut, enfin, moi je doute pas. Hein, c'est pas... J'ai même pas envie de réfléchir. Je te comprends. Quelle... Hey, j'ai 23 heures. Bon, on va rester là tranquille alors. Pourquoi je peux pas la porter, sans déconner? Si. Je re... Bah on va stopper là le stream, hein, This is. Donc t'embêtes pas heureux. Bon, je vais vider tranquillou. C'est sympa ça. Monstre. Ça m'intrigue. C'est quoi le truc pour le groupe? On va dire en local. Valet. La Conte d'Ospride, ça tape, hein? Of ça tape fort. Of... Valley of Steel Box. Et ça, c'est quoi? White Swing. Un cri physique. Oh, d'accord, le truc de leveling, ça. Ah, bon. Ça donne. Ah, ok! Alors, c'est quoi? Ça donne une prophétie. Ah bon? Une carte qui file une prophétie. Tu traverseras la map où il y aura des monstres qui attendront. Ouvre les box qu'ils gardent et tu les tous. D'accord. Ok, c'est... c'est... Ok. C'est précis, hein, comme invitation. Ils t'ont filé un plan avec et tout. C'est... Wow. Eh ben, il nous manque toujours cette Colosseum et cette Messa. Bon. Ah, oh, ça vaut 5 euros quand même. On se fera une petite session pour finir tout ça. T'as pas fait le Shaper si? Non, Shaper j'ai jamais fait. Bah Shaper, il faut péter les 4 gardiens en T16 et se rendre au centre de la map, non? C'est ça Shaper? Si je comprends bien. En fait, tu les gardiens, ils te donnent un morceau chacun, c'est comme les Adjiri. Ouais, c'est ça. Et après, il faut aller au centre. Enfin, il faut aller à la map du centre, du coup, voilà. Ouais, c'est tout pour ça. Bah, j'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai affronté 2 gardiens différents. Et je me suis fait des pop parce que. Enfin, des pop, non. Je pouvais les avoir, mais si tu veux, ils avaient des modes. Tu sais, comme je voulais avoir le bonus, j'ai alchimie et val les trucs. Et je me suis payé des temporal chains, des trucs dégueulasses, quoi. Ouais, et du coup, je les ai quand même tentés parce que c'était des gardiens, j'avais envie d'essayer, mais. Pff, temporal chains. Tu sais, en plus, quand tu crèves contre un gardien qui te fait temporal chains, tu reviens dans le fight. T'as pas de charge et il faut les remonter sachant que t'as temporal chains. Non mais c'est horrible. Donc, c'est voilà. C'est, voilà, c'est vraiment le pire mode du jeu. Ouais. Du coup, je pense que si je retombe des maps, parce que je vais en retomber, hein, dès que je retombe des maps gardiens, je les ferai blanches, genre en mode facile entre guillemets quoi, juste ouais, pour les valider. Moi j'avais essayé aussi en corrompu et tout. Pas kiffé. J'ai fait Minotaur en corrompu, j'ai pas kiffé. Bah moi j'ai fait Hydre et comment il s'appelle lui? Chimère. Chimère et Hydre. Et ouais. Je connais pas les maps. Pit of Hydre. The Chimera et l'Air of the Hydra. C'est pas l'archer l'Hydre? Ouais. Et l'archer, si tu veux, il avait un mode. Qu'est-ce qu'il avait comme mode? Multi-hit. Non, il avait un truc. Déjà il avait genre plus 380% de critique, tu sais, genre. J'en fallait pas qu'il me touche quoi. Et non, il avait un truc où il tirait plusieurs flèches. Enfin, ouais, c'était pété quoi. Parce que j'ai pas le Minotaur, c'est qu'en fait c'est une petite map en cercle. Ouais. Et le problème c'est qu'il va sous le sol et quand il ressort, il fait des tremblements de terre ou je sais pas quoi sur la map et du coup il pollue la map et c'est horrible. Surtout que ça fait très mal en fait. Bah après, il essaie de mettre un peu de challenge hein, quand il voit qu'il y a des bulles d'Eye to Fire. après, ces autos ils font pas très mal et ils sont vraiment très prévisibles. Ils chargent mais pendant un petit moment. Ouais. Donc, bon, on va voir si on a l'occasion de les faire une prochaine fois. Bon allez, je vais en rester là pour le stream. Ouais. Et puis ouais, on se fera une petite dernière session. Non, je sais pas pourquoi je dis dernière. On se fera une autre session. Bah, mardi prochain déjà. Enfin, la dernière. Ah oui, remarque ouais. Ah oui, si c'est dans 10 jours, on n'aura plus de saison après. Je verrai si j'ai le temps de farmer pour avoir les morceaux pour Shaper. Je sais pas.
On va voir. Au pire, on verra avec Diziz. Je lui filerai des currency pour qu'il les achète. Et on se fera ça en stream. Ouais. Ça sera histoire de voir un petit peu. Demande, je joue assez souvent. Ouais, bah écoute, mardi prochain, on se donne rendez-vous. On se refait. On se fait la suite. On essaie de se faire les gardiens. Ah, t'inquiète, en, entre temps. Ça marche. Bon, allez. Merci beaucoup, Dante. Allez, c'était bien cool ce petit stream ensemble. Merci, Diziz, pour le carry. Merci au stream, merci à Joka, merci à tout le monde, voilà, merci au chat. On s'est bien marré. Merci au chat. C'était... J'ai deux chats qui pioncent, mais si. Attends, vous voyez ça, regarde sur les streams, regarde-moi, attention. Hein. La violence de la vie de mes chats, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. La vie de chat ici, c'est ça. C'est dur, hein. Quel scandale. Bon, allez, merci à tous. Passez une bonne soirée, chillez bien, profitez bien. Et puis, à la prochaine. Plus. Ciao.